Écho du futur. Tur, 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 tur. Écho du futur, le podcast post-patriarcal des chasseuses. Épisode 4. J'ai besoin que tu m'encourages. Ça va, Donna ? Ça rouille ! Bah ça, je me doute bien. De quoi ton Chrome a besoin aujourd'hui ? Bah écoute, Avi a retrouvé mon boulon qui traînait par terre, du coup je me suis dit que tu pourrais me le revisser. Tiens, je l'ai dans ma poche. Allez, c'est parti, je m'en occupe. Vas-y, doucement. Ah. Pardon, pardon. Évite de bouger. Mais attends, Ziga. Je sens bien que tu me revises et là, tu m'huiles comme il faut. Mais j'ai quand même un sentiment bizarre. J'ai l'impression de rouiller tout d'un coup. Il y a une ambiance bizarre ici, non ? Ah. Je pensais pas que ça m'affectait tant que ça. Mais si tu le sens, c'est que ça doit quand même prendre de la place. Bon, je fais l'objet d'une médiation. Tu veux partager ça avec moi ? Bah, en gros, on me reproche de me comporter comme si j'étais à la tête de l'atelier. Apparemment, j'agis en contradiction avec l'entente du Chrome Shop. Donc, notre belle organisation horizontale est en danger. Oh, méchante Ziga ! Alors que je suis méga compétente, je rends service à tout le monde. À la bon dos, Ziga. Mais ça va, l'ego trip, là ? Depuis quand on prend une médiation de cette manière-là ? C'est pas un tribunal, hein ? Bon, déjà, dis-moi plutôt quels sont les faits précis qui t'ont été reprochés. Ah non, là, ça me saoule. J'ai pas envie. Ok, c'est comme tu veux. Mais t'inquiète pas, je pense que vraiment vous allez trouver des solutions. Trois voix pour une seule mission, informer avec dérision. Elles écoutent, elles enquêtent, elles savent aussi faire la fête. Alors tendez l'oreille, Rendez l'oseille. Bonjour à tous. Des nouvelles de l'échange pisan. Les personnes pisanières que nous accueillons sont bien arrivées. Nos habitudes en seront peut-être changées. Et c'est tant mieux. Et elles ont ajouté leurs compétences et savoir-faire à la nuire générale. Menuiserie, rapiéçage, agility, ponction péricardique, très bonne recette de houmous. Sans transition, la cuisine du tiers-lieu accueillera les médiations au crépuscule. Pensez à ramener les chaises que vous avez empruntées. Et à péter un coup, ça va bien se passer. Bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette séance de médiation. Aujourd'hui, c'est moi le facilitateur.
j'ai été tiré au sort parmi les volontaires. Je reprends les étapes. Alors attendez, mes notes ne sont pas dans l'ordre. Ziga a dit... Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je suis toute seule sur la réparation de l'aileron de l'avion lunaire. Il n'y a personne pour m'aider. Tony, tu t'es sentie... Frustrée. J'ai passé 3 matinées à travailler sur les plans de l'aileron que j'ai ensuite donné à Ziga. Tony a exprimé le besoin d'être reconnue pour son travail. Ziga a répondu qu'elle n'avait pas trouvé cette étape indispensable et qu'elle avait elle-même passé 12 matinées à bricoler l'aileron. Voilà, donc ça c'est l'effet de départ. Oui, exactement. Exactement. Suite à cette discussion, Tony a demandé une médiation pour que la répartition du travail au Chrome Shop soit rediscutée collectivement. Lors de cette première rencontre qui a réuni toutes les personnes impliquées au Chrome Shop pour proposer des solutions, le problème s'est en fait révélé plus large. Judith a exprimé de l'impuissance. Elle ne parvient pas à s'autonomiser dans ses tâches. Ziga l'impressionne par ses compétences. Suzanne a indiqué qu'elle se sentait démotivée parce que quand elle range le shop le soir, Ziga repasse derrière elle pour tout classer autrement. Maintenant que ces situations ont été décrites, notre but aujourd'hui est donc d'élaborer des solutions concrètes. Ouais, mais non, moi alors, je trouve que c'est pas juste que je me fasse accuser comme ça. Mais attends, tu n'as pas le bâton de parole ? Oui bah, pouic, ça me saoule. Quoi que je fasse, quelqu'une vient toujours me dire comment elle se sent, comme ci, comme ça. Que moi j'ai fait ci ou ça. Et leurs besoins, patati, patata. Non mais merde quoi. Et moi mes sentiments dans tout ça. Tout le monde s'en fout. Je bosse à fond, je suis crevée. Certes Ziga, on entend ta fatigue, ton investissement. Mais il faut qu'on suive les étapes, qu'on utilise le bâton de parole. On s'écoute. Observation, ressenti, besoin, solution. Non mais attends, Doud. Là, je crois qu'on ne peut pas y arriver comme ça. Ziga, t'as l'air vraiment pas bien et ça me chagrine. C'est vrai, te connaissant, je comprends que tout ce processus qui passe par les mots, ça fonctionne mal pour toi. Non mais, exprimer les émotions, tout ça, t'aimes pas trop aussi. Et si on essayait autre chose ? Ah oui, Tony, mais on a toujours fait comme ça ? Vous croyez qu'on peut ? Je suis d'accord. Essayons autre chose. On peut aller au Chrome Shop, jouer une demi-journée à l'atelier, en échangeant nos rôles. Ça pourrait nous permettre de percevoir les ressentis de chacune. Ah bah oui. Je préfère. Merci. La communication non-violente, le pouic-pouic, tout ça... Je vois vraiment l'intérêt, hein, mais c'est vraiment pas facile pour moi. Doud, tu restes, bien sûr. On a besoin d'un regard extérieur. Mais moi, je fais 1m50. Jamais je ne pourrai accéder à ces vis. Tu vois, moi, je préfère ranger comme ça. C'est plus simple pour celles qui arrivent en début de journée. Où sont rangées les paillettes ? J'ai besoin que tu m'encourages. Tu peux le refaire pour que je vois comment tu fais ? Ah ouais, t'as repensé toute la courbure du fuselage. C'est vraiment plus aérodynamique comme ça. Vraiment, tu sais pas où sont les paillettes ? Tu utilises quoi comme peinture pour le revêtement extérieur ? Bah du rose poudré. En tant que facilitateur, je vous indique que c'est le moment de faire la synthèse de vos ressentis de la journée. Clairement, Ziga a besoin de déléguer. Il faut revoir notre répartition des tâches. Quelqu'une se porte volontaire ? Ouais, moi, ça part. Moi, je voudrais monter en compétences côté mécanique. Ouais, bon. C'est vrai que c'est important que chacune puisse se former. Mais moi, je veux plus m'en charger. Je préfère avoir les mains dans le cambouis. Je le fais déjà à l'école, c'est super, mais ça me suffit. Ouais, ok, super, donc on regardera dans l'annuaire des compétences. Top ! On se retrouve donc dans 10 jours pour faire le bilan. Mais du coup, on n'a toujours pas trouvé les paillettes ?
Écho du futur, le podcast post-patriarcal et fabuleux des jaseuses. Imaginé et bricolé par Eugénie Bourlet, Caroline Dejoie, Isaline Dupont-Jacquemart, Élise Huchet, Mathilde Leichelet, Claire Salle et Sandrine Samy, avec le soutien de la Générale. Captez nos ondes sur Facebook, Twitter et Instagram et sur le site lesjaseuses.hypothèse.org. Les échos du futur ont aussi été prononcés par les voix de Lissania Elchir, Marie Sertiman, Lancelot Leichelet, Aliénor Leichelet, Viviane Leichelet, Blandine Leichelet, Camille Isler, Clarence Talbot, Laurent Kia, Hélène Herman, Marie Rollier, Dorian, Joséphine Bourlet, Michel Bourlet et Zoé. Merci à elle.